Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons apprendre à rabattre les mailles. Alors, pour rabattre les mailles, voilà, vous avez un petit carré. Maintenant, on veut terminer notre travail. Donc, comment on s'y prend? On va tricoter, puisque là, on est en jersey endroit, on va tricoter deux mailles à l'endroit. Une, deux, et on va aller attraper la première et on va aller la passer sur la deuxième. Voilà, et là, on a une maille de rabattu. On continue, on tricote une maille, on passe le fil autour de l'aiguille, on crée notre nouvelle boucle, c'est une maille à l'endroit toute simple, hein. Et l'arrêt des mailles, voilà, c'est ça, c'est on passe la première maille sur la deuxième, tout simplement. Donc je vous remontre. On passe l'aiguille pour tricoter une maille à l'endroit. Et on passe la première sur la deuxième. On passe l'aiguille, on tricote notre maille. On passe la première sur la deuxième. Voilà, je vais vous montrer comment on termine le travail. Quand vous voulez arrêter tout le long. Vous voyez, là aussi, après, ça devient un automatisme. Ça se fait assez bien. C'est juste après une petite question d'entraînement. Pensez toujours à bien donner de la tension à votre fil, à ne pas le lâcher parce que sinon vous n'allez pas avoir un joli tricot. Il faut toujours avoir cette petite tension qui va faire que votre tricot va être bien linéaire et joli. Voilà. Comme ça, c'est ce que je vais vous montrer comment on termine avec la dernière maille. Voilà, on y arrive. Hop, et on en est à la dernière. Donc, on tire un petit peu. Voilà. Les ciseaux. On coupe le fil. Et on va simplement passer le fil dans la boucle et tirer. Et voilà, vous avez votre petit travail de terminé. Alors, pour les nouveaux abonnés, vous avez le lien de mes livres dans la description de cette vidéo ainsi que dans le commentaire épinglé. Merci de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications. Merci d'avoir regardé ce tuto. À bientôt pour une nouvelle vidéo.